officiellement aujourd'hui. Cette structure parlementaire que nous appelons Front parlementaire contre la faim en Haïti, FPFH, est créée à la suite d'un vote unanime le 4 juillet 2017 d'une résolution portant création du Front au niveau de la Chambre des députés. En effet, c'est la première fois qu'une telle plateforme parlementaire est mise en place en Haïti. C'est aussi la première fois que différents blocs politiques au sein du Parlement ont décidé de laisser de côté leurs intérêts de groupe pour se liguer à travers un engagement ferme et inébranlable dans la lutte visant à libérer Haïti de la faim et la malnutrition. Aujourd'hui, Haïti constitue le 18e pays de la région de l'Amérique et des Caraïbes et le premier pays francophone du monde à disposer d'un fonds parlementaire contre la faim. Nous devons en être très fiers. Par la création des fonds parlementaires contre la faim en Haïti, nous avons pris la ferme résolution de contrer les différentes facettes de la pauvreté et de la faim et d'identifier les possibilités de solutions à travers la formulation de lois adaptées et la mise en agenda de politiques publiques réalistes et sérieuses. Nous sommes tous conscients du fait que la bataille contre la faim ne peut se faire en agissant seul, comme des électrons libres. Voilà pourquoi il est plus que jamais indispensable que tous les acteurs concernés, notamment les acteurs étatiques et non étatiques, les acteurs nationaux et internationaux, conjuguent leurs efforts à l'instar d'un faisceau lumineux convergent pour travailler ensemble en vue de lancer des programmes visant à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers 10 départements géographiques du pays. Dans ce combat difficile contre la faim, il faut rassembler nos forces et marcher en bataillon unis. C'est donc avec plaisir que nous avons pu mesurer déjà l'engagement du Front parlementaire pour promouvoir l'adoption de lois en souffrance relatives au secteur. La loi sur la souveraineté et la sécurité alimentaire pour renforcer la gouvernance. La loi sur les semences. La loi sur la pêche. Celle sur les cantines scolaires, sur la reforestation, sur les pesticides, le statut des exploitants et beaucoup d'autres encore. Je tiens également à saluer le vote des députés pour l'adoption dans la loi de finances rectificative de 100 millions de gourdes pour la préparation de la campagne agricole d'hiver et de 120 millions de gourdes pour le renforcement des services déconcentrés. Également, la proposition des membres du Front parlementaire d'une dotation de 30 millions de gourdes dédiée à la ligne nutrition du ministère de la Santé, qui doit être relevée, même si son rejet, lors du vote, confirme qu'un travail de sensibilisation de tous les parlementaires reste à renforcer et à accomplir. Puisqu'il reste beaucoup à faire, il faut élargir le front. Je crois savoir qu'aujourd'hui, les députés mènent des discussions avec leurs collègues sénateurs pour qu'ils rejoignent l'initiative. Je souhaite également que la collaboration avec l'exécutif soit constructive et pérenne, car tous les efforts seront nécessaires pour atteindre les résultats voulus. Non, mesdames et messieurs, la faim n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un fléau tombé du ciel qui frapperait Haïti. C'est une situation économique et sociale que vous, les honorables parlementaires de ce Front parlementaire contre la faim, aurez pour mission de modifier, de transformer à travers vos votes et débats législatifs, à travers vos initiatives budgétaires, au nom, au service et dans l'intérêt de la nation. Je vous souhaite à tous un... La FAO est fière de s'être engagée
aux côtés des honorables parlementaires haïtiens dans la création de ce fonds. Honorables parlementaires, le Front parlementaire contre la faim en Haïti, votre front, que vous lancez aujourd'hui à la roue des responsabilités en tant qu'outil politique de favoriser la mise en place de cadres normatifs et juridiques en vue de parvenir à une Haïti libérée de la faim. Nous avons la certitude qu'avec le travail efficace attendu du dit front, la sécurité alimentaire et nutritionnaire sera davantage priorisée dans les programmes de développement du pays. Au nom du directeur général de la FAO, de son représentant régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes, daignez recevoir, honorables parlementaires, membres du Front, mes félicitations pour avoir pris la grande initiative de faire de la vôtre la lutte contre la faim au sein du Parlement haïtien. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier vivement l'ambassadrice Guadalupe Valdés pour son soutien inestimable dans le processus de création de ce fonds. À vous les parlementaires, je voudrais réitérer l'engagement de la FAO d'appuyer votre fonds en vue de son renforcement, son autonomisation et sa pérennisation pour l'intérêt du peuple haïtien. Vive Haïti, vive le peuple haïtien, vive la coopération internationale, vive le Front. Le gouvernement haïtien, notamment à travers le mécanisme de la caravane du changement, entend contribuer à freiner la progression de la faim, avec une emphase mise sur l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, ainsi que l'agro-industrie comme filière alimentaire de premier plan. Le ministère de l'Agriculture salue une fois de plus cette démarche de la FAO qui souligne son omniprésence et son engagement soutenu dans la lutte pour faire reculer les frontières de la faim en Haïti et dans le monde. On espère pouvoir toujours compter sur cette organisation pour fournir au Front parlementaire son assistance dans la coordination technique des divers niveaux d'intervention dont il devra assurer l'arbitrage. De même, je suis certain que le Front saura participer valablement à la meilleure synchronisation possible des actions de toutes les parties prenantes, à savoir les partenaires, les actions publiques, les acteurs publics, les organisations internationales de coopération, les associations patronales, les associations socio-professionnelles, les organisations paysannes, les groupements communautaires, les entreprises agricoles, les organismes de financement, pour ne citer que ceux-là. En espérant le meilleur du fonctionnement du Front des parlementaires contre la faim, le ministère de l'Agriculture accueille son entrée en scène comme une précieuse opportunité d'étendre les cordages de la coopération fructueuse, compréhensive et intelligente entretenue jusque-là avec les honorables membres du Parlement. Au nom du secteur agricole, je souhaite à tous les honorables parlementaires, membres du Front, un bon travail et du succès. Je me réjouis ce soir donc de l'action des parlementaires haïtiens, plus particulièrement mes amis, frères, sœurs, collègues parlementaires, les députés, qui ont adopté une résolution portant création officielle du Front parlementaire contre la faim en Haïti, FPFH. Avec 69 signataires, honneur et mérite à vous, collègues, chapeau et bravo pour cette belle initiative. Et c'est par ces salutations que nous saluons les efforts et la présence du président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse. Cette résolution, s'il en était besoin, montre clairement que les représentants légitimes du peuple haïtien
se soucie réellement de sa condition matérielle d'existence. J'espère, ou pour mieux dire, je sais que d'autres actions en termes de vote de loi et d'allocation de ressources budgétaires aux institutions en charge de l'agriculture et des programmes sociaux viendront concrétiser cet acte législatif non contraignant. Nous avons aujourd'hui le front parlementaire contre la faim et nous attendons les fonds nécessaires contre la faim. Au nom du Sénat de la République, dont je suis la première secrétaire, au nom du président du Sénat et de surcroît président de l'Assemblée nationale, l'honorable Youri Latortue, et de ma propre volonté humaniste et politique, je vous promets que le Sénat va accompagner le pouvoir exécutif ainsi que des associations de la société civile dans ce combat, oui, dans ce combat contre l'insécurité alimentaire, où il faut bien l'appeler par son affreux nom, la faim. Tous ensemble, tous et toutes ensemble, donnons-nous la main pour éradiquer ce fléau que représente la faim en Haïti. Je vous remercie. Je l'ai affirmé tantôt, la solution du problème de l'alimentation ne peut être que transversale. Elle ne saurait concerner exclusivement la production agricole, même si celle-ci est fondamentale. D'autres paramètres doivent aussi entrer en ligne de compte, comme la bonne gouvernance, le respect des principes cardinaux, comme la séparation des pouvoirs, le respect des échéances électorales, le refus de se soumettre à des exigences qui tendent à créer l'instabilité institutionnelle. Malheureusement, l'instabilité politique des dernières années et les aléas climatiques répétés ont rendu difficile le maintien de la lutte contre la faim et la malnutrition en Haïti comme priorité politique. Au niveau de la Chambre des députés, la création de ce fonds doit être considérée comme étant un pas important vers la résolution de ce problème. Ainsi, un appel est lancé au secteur privé, aux donateurs, aux académiciens pour accompagner le gouvernement et le Parlement dans leurs efforts afin, un, de contribuer à garantir un cadre politique et juridique cohérent, s'assurer que les actions soient alignées autour d'un cadre de résultats communs, procéder à notre niveau au contrôle financier et appuyer la mobilisation des ressources et prendre en compte les objectifs de développement durable visant à éradiquer la faim, assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition, promouvoir une agriculture durable à l'horizon de 2030. À travers travailler avec le gouvernement et tous les acteurs concernés à la création de l'environnement législatif propice à la mise en œuvre, une fois validée, de la politique de souveraineté, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Aussi, le Fonds parlementaire contre la faim se donne pour objectif de faire le plaidoyer nécessaire, d'abord en son sein, aux côtés des gouvernements et des acteurs internationaux, afin d'atteindre ce noble objectif visé dans la résolution prise par l'Assemblée des députés en séance plénière le 4 juillet 2017, qu'est l'éradication de la faim dans le monde en général, particulièrement en Haïti. Je vous remercie. Et comme le Parlement a fait le premier pas, il a voté cette résolution et c'est au gouvernement de faire le suivi et j'ai l'honneur de 3 millions de monde dans le pays qui a devenu extrême pauvreté. L'État prend caillou à travers 27 750
kilomètres carrés du pays. Pendant que nous continuons à travailler ensemble, pour nous bailler peuple la bonne éducation, de l'eau propre pour le bois, avec bon gens soins de santé, et pour nous botter courant dans tout coin, la coin du pays d'Haïti. Les haïtiens n'ont pas bon nous pouvoir pour nous gommer en aclot. Mais les bon nous pouvoir pour nous travailler ensemble pour nous bâillons la vie meilleure. Là nous mettons ensemble pour nous jouer une bonne solution comme ça, nous créer conditions pour gagner la paix. Pour une stabilité que nous tous voulons avoir à Haïti. Pays ça que nous tous aimons, capable de développer, si nous voulons. Mais nous disons si nous voulons, nous disons tout haïtien ensemble. Jean, expérience, comment c'est montré? Dans le travail, il y en a clôté. Et je pense que c'est une législature qui met plus contrôle sur le pouvoir exécutif. Là. Parce que ministre, chaque semaine, je fais 2-3 voyages dans le Parlement. Mais ça n'a pas empêché que la législature, ça a tout. C'est une législature qui est plus productive que le pays à connaître. Dans moins que 7 mois, je parle de la 50e législature, première session commencée en janvier, pour arriver dans le mois juillet, en 10 mois d'août, je vais voter 50 lois, conventions et accords. Ça, ces résultats tête ensemble. Tête ensemble entre pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là pour nous mettre pouvoir ça au service nation. Problème identifié et sénateur avec député qui dans salle là connaît que l'exécutif ça, c'est l'exécutif qui paraît pour nous adresser le problème ensemble. Tout pendant pouvoir de contrôle par le monde. Les papes ont un petit pouce qui saute là-dedans. Il faut que le Parlement contrôle le gouvernement. Parce que c'est la seule façon pour que les Parlements votent un budget, les gars veillent pour que l'argent dépensé pour faire ça qui était dit dans le budget. Et c'est dans ce sens ça. Nous saluons une grosse initiative ça. Initiative qu'on bit parlementaire qui a gommé contre grand goût à soi. Messieurs, dames, chapeau pour nous. Et nous connaissons, nous avons support exécutif là pour que, ensemble, loi qui pourra voter, proposition de loi que l'exécutif là pourra le voter dans le Parlement pour que, moi connais, il y a un député, il y a un sénateur qui commence à travailler sous. Des projets sur des propositions de loi. Mais projets de loi que l'exécutif va le voir, ensemble, s'il y a une correction qui peut faire, nous connaissons pas faire. Pour que l'agriculteur ait un petit gagner un titre comme businessman, même Jacques, tout le monde. Parce que l'agriculteur en Haïti, il n'y a pas de monde qui connaît qui ça. Il n'y a pas qu'à prêter comme.
Je n'ai pas de statut. Je ne dis pas rien du tout. Même compter sur nous, je crois qu'ensemble, nous allons travailler pour que et pour projet et proposition de loi, proposition de loi qui a sorti dans le Parlement même, projet de loi qui a sorti dans l'exécutif là, je prends en harmonie pour que l'agriculture, que nous tous rêvons, nous voulons que j'arrête là. Même gens, dans la production d'huile dans la Tibonite, nous démarrer pour que bloc de production, j'en nous fait chaque 500 hectares, tout planter, nous réunions ensemble pour monter coopérative de producteurs et gagner une entreprise qui est même venue avec usine de transformation. Programme ça, hein? Nous parlons de temps ni sous toute plaine côté qui produit du riz dans le pays. Plaine Tobek, plaine Solon, dans Saint-Louis du Sud, plaine Abraham, dans la zone NIP, plaine Maribao, dans la zone Nord-Est, et Maman Bemba, Vallée Latibonite. Pour que la production du riz, nous capables de faire bon encadrement, même si nous parlons à partir du 17 octobre, quand le sénateur Garcia, nous voulons le travail pour que le tracteur agricole, si nous avons commencé par un bloc de production, le tracteur pour élaborer en subvention. Parce que l'État, c'est Wally, dans tout pays sous la terre respecté, l'État subventionné l'agriculture dans le pays. Dans le monde entier aujourd'hui, il y a plus de 500 milliards d'euros de subventions dans l'agriculture chaque année. Mais en Haïti, travail agricole, paysans, agriculteurs, l'État abandonné. Mandez-nous tout support, tout soutien. Nous. Et parlementaires qui n'ont bloc majorité, qui ne supportent le gouvernement, et parlementaires qui sont dans l'opposition, qui ne supportent le gouvernement. Je pense que je dis, il faut nous signer un pacte de gouvernabilité qui va permettre que y ait des activités qui concernent tout le monde, qui ne concernent pas yon monde. Mesdames, Messieurs, en tant que des officiels élus par le peuple pour orienter la barque nationale au cours de nos mandats respectifs, nous, qui sommes du pouvoir exécutif et du législatif, n'avons pas de cause plus importante que de nous assurer de leur sécurité dans toutes ses dimensions. Sécurité alimentaire et sécurité physique. Ces deux aspects de la gouvernance vont de pair. Un pays où certains mangent à leur faim, tandis que d'autres crèvent de faim, est un pays qui est voué à l'instabilité politique et sociale. Nous l'avions démontré il y a deux semaines. Les secteurs publics et privés se sont entendus pour traiter les défis de la compétitivité et de l'investissement. Mon administration a voulu jeter les bases d'un ralliement pour un combat national contre la faim qui est parmi les combats les plus justes et les plus nobles, celui de donner à manger au peuple. Que des parlementaires s'associent activement à cette démarche est un signe que les acteurs économiques, politiques et sociaux haïtiens sont conscients que seul un regain d'unité nationale peut conduire à cette transformation nationale que nous appelons tous de nos voeux les plus patriotiques. Je vous remercie de